Alors, Marius, je te trouve enfin. Tyrael, mais oui, c'est vrai. Je vous reconnais, vous, vous. Vous ne pouvez montrer votre visage. C'est eux. Ils nous surveillent. Je te cherche depuis bien longtemps, Marius. Je commençais à croire que tu ne voulais pas que je te trouve. Oh, pardon, Tyrael, pardon. Ce n'était pas ma faute. Pas ta faute? Vraiment, Marius? Et de qui serait-ce donc la faute? C'était le rôdeur. Oui, c'était... c'était lui, le rôdeur. Mon séjour à la citadelle des Rogues semble si loin. Déjà, je cherchais à fuir mes souvenirs en compagnie d'autres exclus dans la montagne, au-delà de la porte de l'Orient. Que désirez-vous? Je m'efforçais de ne pas dormir, car mes rêves me plongeaient dans le souffle. Je me rappelais le monastère et le mal qui avait emporté. Mais... pourrais mes sens, mon esprit était brouillé, confus. Ces démons maléfiques m'avaient donc poursuivi jusqu'ici. Comment m'avait-il trouvé? C'était donc lui. Cet homme brisé, à peine capable de supporter le fardeau de sa propre épée, qui m'avait effrayé au point de me retrancher ici. Il semblait lutter. Lutter pour contenir les démons qui le possédaient. Mais enfin... persuadé que la folie m'avait emporté. Une terreur de destruction. Mal en personne. Comment l'expliquer? Ces démons s'étaient-ils échappés de mes sens? La carcasse du rebond.
Je le suivis. Pourquoi? Je l'ignore. Réalité et cauchemar, parfois, se confondent. Mais je sais que je ne pus résister à son appel. Je devais le suivre. Et nous partîmes ensemble vers l'Orient. Toujours vers l'Orient.